L'ironie de la vie fait qu'à l'instant même où mon encre pose les premiers mots de ce poème, j'aurais tant aimé qu'elle puisse l'écouter il y a une heure. Petite maman, le ciel vient de te rappeler. Sur mon t-shirt, quelques larmes se dessinent. J'ai vu l'abeille, la colombe, Dieu, j'ai vu les signes. Ma mère a voué sa vie aux autres et les autres ont voué leur vie à eux-mêmes, lui laissant leur chariot de peine. Ses patrons, des fonctionnaires, se demandaient comment ils pouvaient stopper les actions de cette petite militante. Ils l'ont assise un an et demi sous une trappe ouverte, d'où tombait sans s'arrêter une pluie d'amiante. Eux ont su dorer leur parapluie. À 50 ans, maman est tombée dans la maladie. Elle m'a laissé ces quelques mots en héritage. Alors je marche sur le champ d'honneur pour un combat véritable. C'est l'économie qu'on vante et qu'on canonise. Les forêts se couchent et les animaux agonisent. Devant la télé, chacun veut sauver la terre. Et ça pleure quand on prend 10 œufs sur leur salaire. Alors le poison est dans l'air, il en tue 50 000. Mais c'est plus simple de fixer la peur sur le Covid. Ce qui nous arrive, c'est pas étonnant, c'est logique. C'est la course-poursuite où l'économie tue l'écologie. Je crois toujours en Dieu, si tu en doutes, mais comme c'est vers l'exprime, j'ai fini d'avoir foi en l'homme. Faut croire que c'est ainsi, faut croire qu'on le mérite. De la toundra s'évadera la 8ème plaie d'Égypte. Quand je suis né, j'ai pari, j'ai pleuré. Au fond, je devais savoir où je mettais les pieds. Un sacrifice autel de la bêtise humaine. Les insectes qu'on écrase font plus pour l'homme que l'homme lui-même. Le système du capital tiendra si les plats posés sur la table ont un partage juste. Capitalisme 2020, c'est Judas qui boit tout le vin, mange tout le pain, Jésus qui l'excuse. De nos jours, on décrit les hypermarchés. Il y a 50 ans, le peuple a fait leur succès. Et pour tirer les prises, on fait de la bouffe chaude. Comment les croire, eux, et leur fausse étiquette bio? Nous sommes responsables de cette situation. On vote, on manifeste, on hait ce qui arrive. On hait ce qui arrive, on rame à la dérive. Mais la révolution se fait par la consommation. En France, santé, prévention, c'est divorce. Du coup, patient, client, c'est la même chose. L'alimentation n'est pas ce médicament cher. La sécu sera plus tard la consolation à ton cancer. Combien de fois j'ai parlé au docteur vaniteux? Combien de fois j'ai erré dans l'hôpital miteux? Combien de fois les miens ont subi la calamité de lutter pour leur vie en ces lieux privés d'humanité? Notre médecine est à un tournant fragmenté. Les docteurs fidèles à leur serment, d'un côté, de l'autre ce que les labos ont transformé en associé du plus grand cartel du crime organisé. Notre superbe, un homme sous stéroïdes qui ne veut pas mourir ni souffrir, se shoot aux opioïdes. Le dealer a une blouse blanche, un chercheur qui ne trouve rien sur une terre de souffrance. Quand tout se barre, seul compte les intentions. On peut se tromper si longtemps sans bouger de position. C'est que le plan alors diffère du remède. Je pense à nos enfants, putain, on est dans la merde. Un carnaval consenti étalé sur le long terme. Un bal masqué où les gamins sont déguisés pareil. Un naufrage où survivent ceux qui peuvent. La réussite de la répétition ratée de 2009. Des plateaux où les docteurs deviennent journalistes. Et des journalistes docteurs en tenue aphoriste. Ça crucifie, ça juge, ça dépend qui. On aimerait tous être en train pour Mediator et des Paquines. Il n'y aura jamais d'entente si certains cherchent le buzz et d'autres font de la science. J'aurais jamais cru y assister, voir des sommités dénigrées par des amateurs batelassiers. Le nul de la classe autoproclame génie, un peu d'ADN en commun avec les méchants terroristes. Ou la crème de la télé imbécile, champ de merde, la Star Academy de la médecine. Si on ne sait pas, on n'applique pas de mesures dont les conséquences peuvent être la pire des choses. Le mal est à venir, ce ne sera pas le virus, les perroquets ne seront pas liés, les dégâts à la cause. À la vue de ces rageux athégeries, inconscients que la peur de la mort est devenue leur église. La course au vaccin rend le monde solidaire, non, ce monde a faim et alimente un ver solitaire. Ils veulent que pour les anciens rien n'aille mal et dépensent des milliards pour l'atome dans l'arsenal. Les maths remplacent les mots, veulent expliquer les mots. Quand ça les arrange, nos vies sont rangées dans les tableaux. Lorsque ça les dérange, hop, coup d'éponge, efface les chiffres de vérité que leurs lettres voient les masques. Où sont les procès? S'il n'y en a pas, rideau, allez, on a capté. On vit avec des drogues dures, légales, dans l'armoire. On peut insulter, menacer, mais pas parler d'armoise. Nos villes subissent la loi de 12 salopards. J'allume la télé, je vois vociférer un cluster de connards. Prise d'otage de l'émotion en live. Le doute vient quand on chasse la raison pour la peur primale. Porte ouverte aux fachos, vanne ouverte au max. Arme absolue sur les terres du Xanax. Monsieur le ministre, nos mains n'arrêteront pas le sable. Combien de gens dorment
dorme dehors par ce froid. Vous êtes irresponsables. Tour de force des comploteurs. Dénoncez leurs détracteurs comme des vilains complotistes. Tout au long de l'histoire, tout n'est que guerre, pleurs, peur. Désolé, le complot ça existe. Ses pieds foulent nos corps, son dessin est funeste. Habillé en gentil, il s'appelle business. Mensonge, arme de distraction massive. 2 millions de morts, le complot ça existe. On vend la guerre propre, ça, chirurgicale. Chirurgie du pétrole, lors d'opérations brutales. Ça crie, suce à la drogue, et puis suce au communisme. La drogue attendra, on tue les cocos contre la cocaïne. Le crack dévaste les ghettos, rien ne le maîtrise. Années 80, j'y étais, le complot ça existe. Au mois de mars, débutèrent les analyses. Aux heures de grande écoute, ils annonçaient l'apocalypse. Genre, 1 million de morts, c'est peut-être ce qui nous attend. Et eux alors dis-moi, c'est pas des charlatans. Alerte rouge au mercure neige, à la pluie, au vent. Ils font trembler les gens avec un souffle d'armatan. Un peu de ramadan, la main sur la gégène. Ces faux philosophes mènent 1 000 grammes à grande échelle. Tant de mensonges que personne ne croit plus en rien. Chacun a sa vérité qui lui va bien. Et ouais, la peur, la paranoïa sont addictives. À chaque échec elles fouillent et trouvent un motif. La division est telle que l'espoir est mince de recoller. Notre société, du verre brisé. Honnêtement, si t'as le temps de poster mis la vie des migrants, c'est que t'en fous très peu dans ta vie des migrants. Tu dis pourquoi chez moi la terre est vaste. Tu y as pensé bourré à de sang sur l'autoroute avec ton masque. Avec le masque, tu porteras la veste pour mieux la retourner quand le vent soufflera de l'est. Et Vust, j'ai encore la main sur le bouton. Les porcs, les moutons, t'inquiète, j'ai leur temps de cuisson. Si c'est la mort qu'ils veulent nous éviter, 1% du budget de l'armement mondial suffit à sauver chaque année 8 ou 9 millions de vies. En donnant accès à l'eau potable et pas contaminée, va faire accepter ça au plus qu'à carabine. Les ventes de rafales en de beaux jours en Arabie. On fait un feu d'artifice en séjour mortifère. La BST c'est pas Black et Mortimer. La vie c'est pas blanc ou noir, c'est un joyeux bordel. Vive la vie, l'amour, la joie, car la vie c'est mortel. Sur la selle quand je vois, je te sors. Combien sont morts de la mort, attendant le vaccin contre la mort. Hypocrisie sur le visage, on va aux enterrements des gens qu'on détestait pour lisser sa propre image. Il me semble que beaucoup ont oublié qu'on n'est pas des ordi, on ne peut pas nous réparer à souhait. Dans nos pays, l'enchaînement des années belles a ancré dans le cœur le sentiment d'être immortel. Et lorsque tout bascule, on dit l'artiste est inutile. Et pour traverser les épreuves, la musique est trop futile. Ça veut des noms pour collecter les fonds. Quand ça va mal, on s'essuie les pieds sur nous comme sur un paillasson. Ce n'est pas nouveau, non, même pas ça m'éprouve. Dans ce pays, un vrai métier, c'est un taf où on souffre. Peu importe si on coule, on filme. La détresse de chacun est l'illusion de sa couronne d'épines. Il y a 20 ans, les enfants du commerce ont violé la musique. Le schéma s'est répété pour l'hôpital public. Devant mes yeux, l'unité un fossile. Dis merci aux philanthropes de la clique à Sarkozy. Nos filles ne respirent plus et nos fils ne respirent plus non plus. Marche sur le fil, un futur de funambule. Je vois le monde de demain sur leur visage. On les trie, on les frappe et moi je sens que je m'en sauvage. Parqué entre clichés, terreur et hommage. Tôt ou tard déferlera un tsunami de dommages. Car la France du papier est un tas de belles phrases. Notre France du réel, on l'a subi de guerre lasse. Ok, ne versons pas dans le communautarisme. Les chiffres de l'INSEE sont là et l'État fait du well-wisme. À l'image d'un petit ministre mesquin qui fait passer notre avenir bien après son destin. Coincé dans un bras de fer infantile, on n'est pas forcé de blesser les autres pour montrer qu'on est libre. Comme tous ces gens qui se croient de gauche, car ils vont boire un coup assis au bar au milieu des noirs et croient ces gens tous les jours, ignorent tous deux. Seulement ici le loyer est divisé par deux. Jusqu'au soir où ça reçoit une claque, une grosse tarte, et ça passe de gauche direct à l'extrême droite. Je juge pas enfin, chacun peut changer. Je suis un enfant de la violence, donc un adulte de la paix. Mes impôts s'évadent, pas ils restent. Ouais, je me sens plus français que tous ces chanteurs de Marseillaise. Fais ton petit livre sur le roi du Maroc et peu de choses sur tes potes quand les lois il est fort. Insupportable, c'est le son à l'Afrique, clientélisme.fr. Bananière devient la république. Nous sommes égaux, Pipo. Nous sommes frères, Pipo. Écoutez, Pipo, considérez.
considéré pipo. Méprisé comme un seul bloc dans la balance. Y'a pas égalité des chances, mais fatalité des sciences. Libéraux réagrimés en socialistes ou gaullistes. Invente des mondes de merde, genre islamo-gauchiste. Si je fais l'idiot, je réponds athéo-fasciste. Étrange comme la guerre des pauvres, garantie la paix des riches. Déforestation, démantèlement d'usines. Un œil sur la bourse et l'index, pointé sur le crime. Capitaux forgés par les travaux d'esclaves. Palace en Amérique avec, en Afrique une escale. Entassés dans ces rafios, ce monde se fout d'eux. On a tout pris dans leur pays, ils doivent crever chez eux. Nous on signe des contrats, on se démène. On s'en fout, on encaisse, amène. Tant pis pour le Yémen. Mais qui veut de l'obus ou du canon César? Combien de gamins morts par jour pourtant? Aucun ministre crie à la Wakbar. Comme le Cambodge, avec le temps il digère que ce monde a statufié Kissinger sans le juger. Comme quoi on peut tuer 400 000 innocents et être Nobel de la paix, décoré pour autant. Les civils effrayés n'ont que faire de la théorie. Ça s'appelle pas la guerre, ça porte un nom, le terrorisme. Articuler des idées devient compliqué dans ces situations où l'émotion est impliquée. Et que demain ce seront des larmes qu'on versera, oui, pour revenir ne serait-ce que là où on est aujourd'hui. J'y repense au pilote de la Germanwings et à celui qui a foncé dans la foule à Nice. Même colère, même folie derrière un pare-brise. Suivez la flèche, lui c'est la dépression et le bronzé la sédèche. C'est la culture de nos contrées qui est en cause, où il faut faire le buzz. Être quelque chose, être quelqu'un. Sortir enfin de l'anonymat, où la mauvaise nouvelle dope la courbe de l'audimat. Où on met ses chiottes sur Facebook pour du vent en tweet. Photos de vacances, on scénarise sa vie. On monte cette plage, on y a vu la cour. Diaporama, mise en scène de notre amour. Puis mot d'insulte pour un scénario de rupture. Exhibe sur YouTube un pauvre talent sans futur. Et quand la dépression et la haine s'abordent, ils tuent. Scénario glorieux de la mort. Ne cherchez pas de cause de conviction à tout ça. L'incendie se cache derrière un feu de broussailles. Et que ce qui importe, c'est que reste le nom. Pour ne pas crever à la piole seul comme un con. J'y réfléchis et ne vois pas le remède. Face à une armée de cons tous centrés sur eux-mêmes, qui confondent leur vie avec le Big Bang. Inspiré par le destin de mythes brigands. Aux infos les hooligans, moi je les ai pas vus. Anglais, russes, à Marseille crier, Isis où es-tu? Depuis des mois sur le net, ils planifiaient la bastonnade qui devait terminer en ratonnade. Ça ne fait même pas une ligne, même pas un mot. Si des gars les avaient shootés, c'était Guantanamo. Nous aussi on en a marre, chaque fois bataillé. On ne veut pas la main au fion et parler comme tataillé. Du coup, silencieux en 140 caractères, je m'exprime en rime avec un flot d'amour dans les artères. À l'heure où le discours fasciste est banal, ce n'est pas dans les stades, mais à l'assemblée qu'on nous jette des bananes. Depuis les tours jumelles en 2001, l'esprit est triqué. Mais sachant musulman de confession, me somme de m'expliquer. À chaque tuerie, le téléphone sonne, comme si je connaissais les raisons de ce foutu boxon. Les mêmes actes, différentes chroniques. Joseph Kony tue en silence sur Arte à minuit. Peu à peu, on prend le siège du rival. La France ignorante nous regarde comme si on priait Shiva. Dans la victoire, peu importe la peau, c'est dans le sport et le rêve qu'on se rallie au drapeau. Je suis fatigué de chanter les mêmes problèmes 30 ans. Vendre un monde binaire est tentant. Si on lit l'histoire en bloc, ça devient aisé. Artisan de notre défaite, auto-biaisé. On ne fait plus rien en public, on sécurise les cœurs. Et chaque seconde qu'on vit est régie par la peur. C'est le but du terrorisme, non? Effrayé, si c'est ça, on y est, on peut le dire. Les armes, elles ont gagné. Et on nous hèle comme des Français unis, avec des mots de maître d'école méprisants dans les colonies. Et la liste des crimes auxquels il n'y a pas de solution, à part les châtiments corporels. Sans bruit aucun, loin de votre réalité. Combien de potes portés en terre et que j'ai dû pleurer. Combien de proches trop jeunes, brutalement fauchés. Ce n'est pas un pays en guerre, mais vie et mort dans les quartiers français. Pour qui n'a pas vécu ça, dur de comprendre. Comme de se faire contrôler au faciès, sans arrêt. Voilà donc le monde parle de nos futurs menacés. Sauf que la douleur c'est vers les autres qu'elle est dirigée. On ne l'inflige plus à soi. Ça suscite des futurs assassins, ex-candidats au suicide. Discriminés à l'emploi, aux études, au logement, aux loisirs, au sport et à la culture. Les mômes finissent par croire qu'être français n'est pas possible. Ils se tournent peu à peu vers la culture des origines en même temps. Par les écrans émerveillés, copies de délinquants, col blanc au pays des yéyés. Les bons sentiments ont tellement été moqués que même les plus jeunes pouffent à la lecture des mots de Guy Moquet. Les mots, on nous les a volés et les fachos, ils en ont joué. Kidnappeurs de la laïcité, ils l'ont changé en laïcisme.
le fondamentalisme athée. Une société où eux seuls sont bien, et ceux qui croient en Dieu sont des crétins. Vraie guerre d'imbéciles, je refuse d'y adhérer. Comme à la mécanique brutale et sanguinaire de petits bandits ratés. Il ne peut y avoir que deux camps en tout. Je suis Charlie ou ne le suis pas, mec, je suis c'est tout. Comment des blessés ont-ils pu chuter l'ambulance? Comment un peuple si fin pu gommer les nuances? Changer sa vie en chronique nécrologique, avec l'esprit inondé de négativité pathologique. Depuis que je suis né, j'entends, on est en crise. Les anciens me disent que c'est pareil depuis 46. La compassion fuit, déserte les villes. On retrouve la nation qui avait peur de l'an 1000 face au drame. Le peuple cherche des coupables, telle religion, tel élu, l'État est responsable. Il serait sage de dire qu'il n'y a pas de parade. On est libre et quand on est libre, on est vulnérable. Imagine si je disjoncte, rien n'arrêtera le massacre. On me tuera mais mon arme aura craché la salve. Je sais c'est navrant, consolation, l'opinion dira il s'est radicalisé 5 minutes avant. On prend note, la ferme est subie. La police n'est plus ici pour jouer au rugby. Les assauts sur le terrain n'ont plus un sou et le cri. Aujourd'hui la société entière en paie le prix. Quel système pour se faire entendre? Je ne sais pas, aucun candidat nous ressemble ni nous rassemble. Nos vies c'est comme les feux du 31 décembre. Et même si on n'a rien à voir, on nous prie de balayer les cendres. Trois quarts des gens croient le pays en guerre. Mais la guerre, c'est quand sur les têtes il pleut du fer. Où sont les sages qui ont subi les méfaits nazis? Les vieux aujourd'hui ont connu la guerre, oui, mais celle d'Algérie. Sur les sujets sécurité, économie, à demi-mot, j'entends qu'il était bon le temps des colonies. Tout est ramené au choc des civilisations. Violence globale, effet de mondialisation. Le fric passe les frontières, l'info passe les frontières, la drogue passe les frontières, le brut passe les frontières. L'argent ne voyagera jamais seul, alors sans surprise, le sang et les larmes aussi passent les frontières. En 13 ans, les trois présidents, on a rejoint les ricains autour du globe dans le rôle du méchant. On demande pas grand chose vraiment, si ce n'est que Mère France aime tous ses enfants. Merci d'avoir accueilli si bien les miens quand ils ont quitté le pays alors qu'ils crevaient de faim. À chaque fois que des personnes meurent, des larmes pleuvent, et nous on chante avec les triples couplets d'United. De la paix seulement je ferai l'apologie. Je pense juste qu'on subit le poids de la technologie. En 10 ans on a pris un siècle, c'est la gifle, l'échec. Les mœurs n'ont pas réussi à suivre. Les générations ne parlent pas le même dialecte. J'imagine 30 ans en arrière avec internet, on peut débattre et affirmer ce qu'on veut. Les membres d'Action Directe auraient été mille fois plus nombreux. Les politiques ne passeront pas à l'action. On ne touche pas à la toile par peur du vote sanction. Donc les idées tordues ont l'espace pour en paix. Les intolérants du globe peuvent y gerber en paix. Et chacun veut réduire tous les autres au silence. Les comptes au Panama et tous leurs grands laïcs en France. On prend leurs minerais, pas grave c'est des nègres. Et ouais notre appétit d'oiseau c'est celui d'un nègre. Avec la télé-réalité ils ont vidé les têtes. Avec les amalgames, ils ont vidé les cœurs. Avec YouTube, Facebook, ils ont dopé l'ego et ont comblé tout ce vide avec des mots de facho. Est-ce que ce monde va plus mal? J'en doute. C'est que notre mal-être et le mauvais en nous qui passe en boucle. Ils tournent dans nos âmes et cependant les heures, on n'entend rien des autres, juste l'écho de leur peur. Assis devant un doc pensée bleue, je préfère voir des singes que des hommes parce que je ressens Dieu en eux. Si je meurs, c'est en aimant, sans armes ni bombes. J'attends toujours la fin de ce monde.